Et salut tout le monde, c'est Patismon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Patismon. J'ai la langue qui s'est engourdie. Donc, dans cet épisode, comme je l'avais dit dans le dernier, on va aller trouver un biome sucré. Donc, on va partir en exploration. Mais avant ça, on va se créer une nouvelle épée parce que celle-là, voilà, quoi, il reste plus que près de 100 utilisations. Donc, on va se créer une épée en cook. Donc, voilà, les objectifs du jour seront créer une épée en cook et trouver un biome sucré. Donc moi le craft je le connais bien sûr par cœur. Voilà. De l'obsidienne j'avais été en chercher mais je suis déjà prêt à le rechercher quoi. Alors on va faire comme ça et on va reprendre un peu de bois parce qu'on va en avoir besoin. Au passage j'en garde si j'ai pas de la laine qui traîne. Non. Ok très bien. C'est pas très grave. Voilà. Ah, ma souris! Arrête de faire la con! Voilà. Donc, on se crée les petits bâtons d'obsidienne. Enfin, le petit bâton d'obsidienne. On met un diamant comme ça. On met, là, du coup, comme ça, on a une épée en cook. Donc, beaucoup, beaucoup plus puissante, déjà. Ça, ça fait plaisir. Et, j'aurais bien aimé trouver des moutons, tout simplement, pour dormir sur place. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, à mon avis, on va en croiser. On va prendre un tout petit peu de bois, comme ça. Et on va prendre une paire de cisailles, si jamais on trouve un petit mouton. Tac, tac. Donc voilà, on a créé les pans en cook, déjà, c'est fait. Voilà. Et bloqué, on va peut-être lui prendre aussi des fleurs, du coup. Des fleurs, voilà. Je pense qu'on est bon. Donc bloqué, tu vas venir avec moi. Et puis on va partir. De toute manière, j'ai une armure bien plus puissante, normalement. Je suis censé beaucoup plus résister aux mobs. Blocky va être un peu plus loin quand même. Je crois qu'il se tp de toute manière. Il doit se tp. Hein. Ça commence par des fails. Ah, je vous ai pas montré, mais cette pelle est hyper puissante. Donc on va partir par là, hein, tout simplement. Vu qu'on venait de là-haut, nous, à la base. Pop, hop. Donc je vais ça vite fait. C'est parti. Donc, je vais faire des grands sauts pendant tout le chemin. J'ai pris les fleurs. J'avais un doute. On va peut-être tourner comme ça. Je suis content d'avoir une épée un peu plus puissante parce que ça me rassure un peu plus pour ce qu'il va y avoir sur le chemin. Ouais, elle fait mal quand même. Elle fait assez mal. Oh non. Il y a de la flotte. Je vous dis, ça se trouve, ça va aller super vite pour trouver le biome. Enfin, en soi, je l'espère. J'ai pas envie de me taper 3 heures de route. Attendez, ces fleurs, elles sont peut-être sympas parce que du coup, ça permet de régénérer aussi Blocky. Ça me saoule de trouver des graines de tout. C'est chiant. Donc là, vous voyez, je génère parce qu'il y a encore des graines qui sont au sol. Non, je me noie. Ça, on va voir dès qu'on s'approche d'un biome, le ciel, il va changer un peu de couleur. Donc on va savoir assez vite. Tac, tac, tac. Voilà, Blocky y suit, c'est très bien. Les citrouilles, c'est toujours pareil, je vais les prendre, parce que si jamais on tombe en rate de nourriture,
Petit lac, ça nous permettra de manger. J'ai un gros freeze, c'est bizarre. Ah, non, je sais pas. Pourquoi c'est le ciel devient comme ça? Parce qu'on s'approche de la nuit, d'accord. Donc faut vraiment qu'on trouve des moutons. Sinon, on va être dans la merde. Ça me saoule dès que je tourne deux épisodes à la suite, il commence à y avoir des micro-lags. C'est assez bizarre, je trouve. Donc, je sais pas s'il sait nager, Blocky. Il sait nager, mais très difficilement. Il risque de crever. Il sait pas nager. Ok. On va le TP rapidement. Voilà, il s'est TP, nickel. Je vais lui faire attaquer un petit peu les cochons là. Vas-y, attaque. Nickel, on récupère du chocolat. Bon, en fait, je vais les tuer moi, sinon on a pour 3 ans. Hop, c'est parti. Et on bouge toujours. Bon, j'ai un petit peu changé ma direction, mais tout simplement parce qu'il y avait une montagne. J'aime pas les montagnes, donc on change de direction. Il semblait que j'ai vu un mouton, mais non. Ça, par contre, les vaches, je dis pas non. Je dis jamais non. Ah, par contre, les mobs, wow, ils vont prendre tellement cher. Pour ça que dès que j'ai de quoi faire une épée en onyx, ça va être tellement plus simple. Je pourrais tirer des flèches à l'infini. Ouais. Il nous faut vraiment du réglisse, comme ça, prochain épisode, on s'attaque à Cacao. Normalement, avec notre armure, ça devrait le faire. Puis Cacao, il est pas super fort entre nous. C'est cool, les araignées, j'ai les one-shot. Donc voilà, elle a 1000 utilisations. C'est déjà pas mal. Hein. Parce vu qu'elle est un peu cheat, c'est même pas plus mal qu'elle fasse que 1000 utilisations. Blocky. Et il est en train de buter le squelette, d'accord. Voilà. Ok. Fenêtre qui s'ouvre. Qui me fait laguer. Blocky t'a pris cher. Voilà. Blocky aussi, il faudra un petit peu l'entraîner parce que il prend un peu cher contre tout. Et j'aimerais bien qu'il arrive à buter n'importe quoi. Ouh. C'est un bébé apprenti boulanger. Trop fort! Et c'est pas moi qui l'ai rajouté, ça. Ouais, ça veut dire qu'il y a même des bébés cochons et tout, du coup, chocolat. Non? C'est pas moi qui l'ai rajouté, le bébé machin. Ah, mais non! D'accord. Donc, si, ça doit être possible, parce que... en fait, il est basé sur le zombie, l'apprenti boulanger. J'ai fait exprès de le baser sur le zombie pour qu'il spawn bien la nuit. Sinon, il peut y avoir très bien des problèmes. Et du coup, ben, forcément, ouais, on pourrait peut-être faire des bébés. Faut que je teste. T'es trop fort, je suis choqué, quoi, à limite. Ok, toi, tu meurs. Je récupère le choco. Ça peut toujours faire des chocs à pic. Non, je rigole. Hop, les moutons.
Voilà, on se barre un peu plus loin parce que j'ai vu qu'il y avait trop de zombies. Il y a un creeper. Alors, Blocky est là. Pète-lui la gueule! Ok, Blocky, laisse tomber. Je m'en occupe. Ah, j'arrive pas à baisser ma souris. Voilà. Là, je leur fais très mal, hein. J'étais trop de stuff, quoi, un truc de malade. Voilà, on fait dodo. Comme ça, on fait passer la nuit. Et puis, on va exploser ce truc. Table de craft, aucune utilité. Ils ont quand même réussi à m'enlever de la vie, même avec cette armure. Hein, donc, faut faire gaffe quand même. Hein. Les os, je dis pas non. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'il sort mon prochain épisode de mon mode, eh bien, pas tout de suite, hein, parce que j'ai fait une petite pause. Histoire que les idées reviennent tranquillou. Putain, ça me saoule parce que ma souris elle bug à fond. Hop, on remonte tranquillou. Ok, j'adore quand ça fait ça. On va faire comme ça, comme ça, et comme ça. C'était très le spam. J'espère qu'on va finir par le trouver ce biome parce que sans réglisse, on est très mal de toute manière. De toute manière, il est sûr de le trouver. Hein, mais... Blocky, toi aussi, je vais te soigner un peu parce que tous ces mobs, tu m'étonnes que t'as pris cher, mon vieux. Bon, tu t'arrêtes de me faire poser des fleurs. Je parais con hein, en faisant ça, Blocky. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Là, je suis parti vraiment très très loin. De toute manière, dès qu'on l'aura trouvé, voilà, quoi, on sera tranquille. Tac, tac. Bon. Écoutez en avance. Hein. Tu vas voir un petit peu les stats à Blocky. Ouais, il a encore le temps avant de monter d'un niveau. Canne à sucre, ça peut être pas mal de la prendre. Puis on récupérera aussi plein plein de blocs du biome parce que on pourra tout transformer en sucre et ça va être juste génial. Parce qu'on va pouvoir se faire masse, masse, masse de bouffe. Même très facilement, je suis en train de me dire parce que même des armes assez facilement vu qu'il y a 40 barres. On essaiera de les faire à la fraise du coup, vu qu'on a un champ de fraises. Ça devient un peu chiant le jump boost quand même. Allez, je peux même pas monter tranquille. Et bon, ça m'a quand même amorti ma chute, donc c'était pas mal. Enfin, il y a aussi la résistance hein, qui a joué. Ça me ferait chier de faire une coupure parce que j'aime pas faire les coupures quand c'est une série comme ça. J'aime bien tout montrer. Parce que là, en fait, quand c'est modé, il suffit de quelques instants pour qu'il se passe n'importe quoi, en fait. Genre, il est poulet déjà, je vais. Tu as plus qu'à les buter, Blocky. Il s'en va rien de toute façon.
Oh, laisse tomber, vu le temps qu'il met, je t'en ai buté moi-même, quoi. Parce qu'on en a chié pour les trouver les poulets. Hein. Bon, le truc, c'est qu'il me faudrait des œufs maintenant, mais bon. Mais bon. La génération buggée. Enfin, qui fait buggé? Pour récupérer les mythes pour se faire des flèches. Enfin, vous allez voir, dès qu'on aura une épée qui tire des flèches, ça nous fera des flèches à l'infini, en fait. Donc ça va être juste terrible. Je me demande si ça prend pas d'utilisation. Bon, on verra bien. J'espère, ce sera moins cheat au moins. Ça n'empêche, m'a fait bien rire le petit bébé apprenti boulanger. Franchement, je m'y attendais pas. Hein. Avec son épée en 40 barres là. Trop fort. Blocky galère un peu, hein, à me suivre. Mais pour une fois qu'il sert à quelque chose, excuse-moi, hein, Blocky, mais c'est véridique. Hein. Parce que tu sers un peu à rien pour l'instant. Cacao, t'arriveras pas à le tuer, donc. Je préfère qu'il. Oh, il m'a looté un pain au chocolat! Je suis tombé dans un trou! C'est un loot rare, ça. Sympathique. Par contre, on va ranger un petit peu le bordel qu'on a. Je range ça à l'arrache. Allez, le biome! Tu peux le faire! En même temps, il est assez rare quand même comme biome. Blocky. Oui, Blocky. Blocky, où es-tu? Il est pas mort noyé quand même. Est-ce qu'il est ce con? Je suis en train de stresser un petit peu là parce que c'est quand même bloqué, j'ai pas trop envie de le perdre. Merde. Il est où? Il est encore là il y a 2 minutes, je comprends pas les amis. Où est passé Blocky? Il y a de la kyanite, mais on s'en fiche. Moi je veux Blocky. Ça m'énerve parce que je le trouve pas. Encore si c'est fait défoncer et que je le retrouve, ça va, mais si je le retrouve pas, ça va être chiant. Oh le con. Il est où? On va y passer des heures à chercher, c'est ça le problème. Bon bah écoutez, tant pis, on cherchera plus tard. Soit on va le retrouver. Hein. Fait, je sais plus où il est le trou où j'étais tout à l'heure. J'aime pas ce boss noise tout con. Non, je l'ai même pas. Bah, écoutez, je sais pas, je le rechercherai hors cam, au pire, c'est pas très grave.
pas très grave. Ah si, c'est grave, mais bon, voilà quoi. Je peux vous faire perdre du temps. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là-haut, c'est un peu plus, plus proche du biome. Je regarde si jamais il me suit ou quoi, mais non, même pas. Ouais. Ah, ça m'énerve cette histoire. Bon, tant pis. Hein. Je vais aller le rechercher plus tard. Comme je vous ai dit, j'irai hors cam. J'étais un peu silencieux. Je me suis dit, je vais faire comment moi, pour le retrouver? Mais je sais comment je fais. Vous inquiétez pas, je vais le retrouver. Je pense savoir en fait où il est. Il a dû se bloquer comme un con. Tac, on va monter. Ouh, attendez. C'est où il fait nuit, ou je me rapproche du biome en fait. Je pense qu'il va plus faire nuit. On verra bien. Venir, j'ai mon lit, y a pas de souci. Et on va le trouver ce biome. Force de chercher, ne vous inquiétez pas, on va le trouver. Je suis sûr et certain. De toute manière, vous savez très bien qu'il existe ce biome. Vu que je suis dedans à chaque fois que je fais la présentation de mon mode. Alors. Et du coup, un peu partout, c'est sympa ça. J'en ai pas la masse en plus. Je devrais plus visiter les montagnes. Re les amis. Ça va faire presque plus d'une demi-heure là que je tourne. Entre le temps où j'ai fait la coupure, hein. Et j'ai enfin trouvé ce biome. Je vous jure que j'en ai ras le cul de courir partout. Biome. Secret. Voilà. Alors, les amis, là, on va se faire plaisir. Vous voyez, c'est assez chaud quand même à récupérer ça. Donc là, on va récupérer masse de trucs. Du coup, je sais pas du tout combien de temps vous ça sera d'épisode. Là, c'est de la pierre de réglisse, hein, ça. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire avec. Parce qu'on peut faire avec. Je décorerai un peu la base avec, du coup. Vous allez voir. Alors voilà, on peut faire de la brique de réglisse, des piliers de réglisse, et le bâton du spawn. Alors ça va être terrible, du coup je pourrais set mon spawn avec ça à la maison, sans lit du coup. Donc là la pierre elle descend bien bas, c'est cool ça. Alors je suis trop content de l'avoir trouvé ce biome parce que j'étais en train de désespérer. Je me suis dit ouais, j'ai peut-être oublié de le remettre ou quoi. Et je l'ai enfin trouvé. Qu'on va récupérer quand même pas mal. Ça, c'est de la pierre normale. Puis ça, on récupère aussi la blinde.
Il va faire nuit. J'en ai rien à foutre, je récupère la hache. J'en ai rien à foutre, je vis pas ici. Pour récupérer un peu plus de ça. Voilà. Et puis les amis, on va se quitter direct après parce que là, voilà quoi. Ouais, ça se retransforme direct. Hein. Du coup, on va pouvoir même s'amuser avec ça. C'est pour ça que j'ai envie de récupérer pas mal. Ouais, et puis les amis, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bloki sera de retour, vous inquiétez pas. Pas de soucis pour ça. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était Petitman, portez-vous bien. Ciao, ciao.